délicieuse naïveté. Eh bien, Catherine, vous me plaisez. Vous me plaisez ? Beaucoup. Oh, tant mieux, monsieur, tant mieux. Parce que de mon côté, vous m'allez. J'ai vous vu. Oui, vous m'allez. Ce n'est pas que vous soyez beau, mais vous avez encore de la fraîcheur. J'aime encore. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon neveu qui jante dans sa chambre. Et pourquoi est-ce qu'il jante? Parce qu'il avait une maîtresse et que ça durait depuis trop longtemps et qu'alors je l'ai obligé à la quitter. Oh, mais cependant, il s'aimait? Oh, c'est bien gentil de s'aimer. C'est bien gentil de s'aimer. Comme elle a dit ça, et elle me trouve encore de la fraîcheur. Oui, oui. Et si vous pouvez me mettre un peu au courant du service? Certainement. D'abord, il faut faire le déjeuner. La cuisine parle. Je vais vous conduire. Tenez, les provisions sont dans ces paniers. C'est lourd, hein? Oh non, pas trop. Mais non! Je vais vous porter ça jusqu'à la cuisine. Non, monsieur, je vous prie. Oui, je vais vous. C'est la bonne. Tu vas voir. Elle est charmante. Hein? Qu'en dis-tu? Tu es étonné. Il y a de quoi. C'est une perle, mon ami. Une perle. Alors, vous trouvez que j'y accorde de la fraîcheur? Oui, oui, oui. Non. Il fait un froid de loup dans cette cuisine. Vous ferez la cuisine dans les salons. Oh, dans les salons, mais monsieur... Ça suffit. Je suis votre maître. Et quand j'ordonne... Toi, va chercher le grill dans la cuisine. Le grill? Dans la cuisine? Oui, dans la cuisine. Où veux-tu qu'il soit? Dans l'armoire à glace? Va-t'en chercher le grill! Allez chercher le grill! Je n'irai pas chercher le grill! Va-t'en chercher le grill! Allez chercher le grill! Je n'irai pas chercher le grill! Je n'irai pas chercher le grill! Quand il, pourquoi t'en réponds-il non? Quand on lui dit quand il, mais que ferez-vous de ce grill? Ce que nous ferons de ce grill. De ce grill? De ce grill? De ce grill. Mais que ferez-vous de ce grill? Nous mettrons le grill sur le feu. Sur le grill, les côtelettes. Quand le grill sera sur le feu. Ce feu cuira les côtelettes. Et quand nous verrons que le feu a bien grillé les côtelettes. Nous enterrons le grill du feu. Et mangerons les côtelettes. Tu retrouves tes esprits, c'est compris, c'est compris. Tu retrouves tes esprits, c'est compris, c'est compris. Oui, je crois vous avoir compris. Oui, je crois vous avoir compris. J'ai compris, j'ai compris. Nous mettrons les grilles sur le feu. Sera sur le feu. Ce feu cuira les côtelettes. Et quand nous verrons que le feu a bien grillé
œufs, des côtelettes. Où sont dans les pommes de terre? À la cuisine, monsieur, je vais chercher. Voici le grill. Tu as le grill? Ouais. Bon, mais ici, Alessandro. Oh, les couteaux. Ils sont par là, tu vas les chercher. Catherine! J'apporte les pommes de terre, monsieur! C'est vous, ne sais pas. Vous allez m'expliquer? Vous expliquez? Catherine, n'est-ce pas mon enfant? Vous allez mettre les côtelettes sur le grill. Bien sûr, monsieur! Mes enfants, il y en a que deux. Eh bien, monsieur? Est-ce que vous imaginez que je vais vous laisser mourir de faim? Il ne manquerait plus que ça. Les bouchers et t'en les pas. Toi, va chercher une côtelette pour Catherine. Moi? Des côtelettes pour Catherine? Jamais. Mais monsieur, c'est moi qui dois. Non, non, ce n'est pas vous qui le veux. Gustave, tu ne veux pas aller chercher une côtelette pour Catherine? Non. Une fois. Deux fois. Trois fois. Tu ne veux pas aller chercher une côtelette pour Catherine? Ah si tu ne veux pas! Non. Eh bien, je vais chercher une côtelette pour Catherine. Je vais vous chercher une côtelette, Catherine. Et d'autres choses encore, Catherine. Vite, mon ami. Pardon ici. Je t'aime encore. Pardon ici. Partir d'ici? Qu'est-ce que vous me chantez là? Partir d'ici. Voyons, pomme d'api. Je ne m'appelle plus pomme d'api. Je m'appelle Catherine. Parce que j'ai réussi de vivre honnêtement. Je suis allée au bureau de placement. On m'a dit, il y a un monsieur avancement qui cherche une bonne. Et je suis venue. Et je vous en prie de me laisser éplucher mes pommes de terre. Je n'ai que ce que je mérite.